Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau hall action. Je peux vous dire que il y a eu de l'arrivage. Moi, j'y vais quand même assez régulièrement. Il y a des articles que je n'avais encore jamais vus. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence ce hall avec, je sais pas trop si je le classe dans la papeterie. Bref, ce sont des boîtes en carton qu'on va devoir assembler hein, en 2 secondes. C'est hyper pratique. Je vais vous montrer. J'en ai monté pour que vous puissiez vous rendre compte. Ça se vend donc à chaque fois par 2. Et vous voyez, c'est à chaque fois des couleurs, des graphismes différents. Voilà ce que ça donne une fois que la box est montée. C'est vraiment la box beauté hein, qu'on peut recevoir. Moi, ça va vraiment m'être utile. Je vous montrer celle-ci également pour envoyer mes colis, mes concours. Je fais beaucoup de concours sur Insta. Et je pense que recevoir des petits colis comme ça, c'est quand même très sympa. Ça fait plaisir. Ouais. Et il reste encore pas mal d'illustrations possibles. Ensuite, on continue hein, dans la partie bureautique. Ce petit calendrier de bureau support noir où on vient chaque jour changer l'étiquette, le jour, le mois, et ça rend très très bien. Vous voyez, sur un support en bois, ça peut être très joli aussi. Bon, je pense que celui-ci, hein, il n'y a pas trop de mystère, on sait déjà où il va finir. Ensuite, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est étagère, déco murale. Donc voilà un petit portant, un support pour mettre des cartes postales, j'adore ça. J'ai pas mal de cartes postales que j'avais trouvées, notamment chez Zodio, ils en font des super belles. Et c'est mignon, voilà, ça fait petit distributeur de cartes. C'est adorable. Et on peut également mettre des petites étiquettes. Donc ça, moi, je vais faire mes propres étiquettes, ça peut être super mignon aussi. Je poste ma vidéo aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et au moment où vous me regardez, je suis partie 2 jours avec mon chéri à l'hôtel. Donc ça, je compte lui mettre sous son oreiller dans la chambre d'hôtel avec un petit mot et tout. Donc d'ailleurs, je vous invite, si c'est pas encore fait, à me suivre parce que je fais du vlog et bien évidemment, je vais vloguer tout ça. Voilà, donc c'est adorable, petite bouteille avec le message à l'intérieur. J'arrête pas avec mes petites lampes en ce moment, mais regardez, le petit pied en bois en forme de triangle, pas très très haut, hein, avec l'abat-jour effet... Je sais pas ce que c'est comme peau, c'est un peu effet cuir. Je sais qu'il y avait effet cuir noir. Adorable. Et voilà ce que ça rend. Alors bien évidemment, il faut que j'enlève tout l'emballage plastique pour que vous puissiez vous rendre compte, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai pris également cette corbeille. Je sais qu'elle existait en blanc, j'ai hésité, mais je la trouve quand même beaucoup plus chic comme ça en noir. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben, un peu ce que tu veux. Hein. Tu peux mettre tout un tas de choses et ça reste un objet déco pratique et très mignon. Ensuite, si vous me suivez, vous savez que très très prochainement, je pars aux Antilles et je n'ai pas de tongs. Il faisait des petites tongs. Elle est super sympa, cette paire, je trouve, de tongs avec des petits strass, taille 37. Très pratique, je n'avais absolument pas de tongs. Et franchement, c'est un peu la base quand tu vas là-bas. Et j'ai pris également cette paire, assez mignonne, blanche et puis dorée. Je suis pas très tong, moi, habituellement, mais je pense qu'il fallait quand même que j'en prenne. Pareil, hein, si vous voulez suivre mes aventures sous les tropiques, bah, abonnez-vous. Ils ont toute une série de vaisselles hyper sympas. Et j'aime bien celle-ci, elle est toute simple, hein, blanche. Et ça, c'est un plateau. J'en voulais un comme ça le matin pour mettre mon fromage. J'aime bien, moi, déjeuner. Bon, je fais les deux, sucré et salé. Donc, ma tranche de fromage, mon pain, bien évidemment. Et là, c'est parfait. C'est vraiment le format idéal. Et j'ai déjà... la petite soucoupe de la même collection pour mettre mon fromage blanc et puis tous les fruits, les petites amandes et tout le reste. Voilà, j'aime beaucoup. Et bien voilà, c'est tout pour mon haul à action. J'ai hâte d'installer ce qui est à installer hein, sur support bureau ou même sur les murs et de monter mes petites boîtes. Je vais un peu stocker tout ça. Ça va être très sympa. Je vous invite, comme je vous ai dit, à vous abonner, à me suivre dans mes petites aventures du daily vlog au quotidien, à mettre le pouce en l'air, parce que ça fait plaisir. Je vous fais un énorme bisou et vous dis pas demain, mais après-demain pour mon petit week-end Saint-Valentin. Allez, salut!